Bonjour, je pense que vous connaissez tous mon nom, je m'appelle Yoann L'Hôtelier. Mon nom est paru dans le journal Charente Libre. Je voudrais simplement vous dire que je n'ai jamais incité les personnes à la violence, et au contraire, j'incite vraiment les personnes à garder leur calme, à revendiquer leur pouvoir d'achat, à revendiquer ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur, autrement que par de la violence ou de la dégradation. Il y a des programmes qui proposent un rassemblement en place New York, c'est vrai, mais j'en suis absolument pas à l'initiative, contrairement à ce qui a pu être compris. Il y a un rassemblement aussi lors d'une réunion hier soir, j'en étais absolument pas aussi à l'initiative. Chacun peut prendre des initiatives, et c'est ça que je dis depuis le début, tout le monde peut prendre des initiatives, et quand on peut relayer l'information, on relaie l'information. Mais en aucun cas, moi, je soutiens des actions violentes, des actions de dégradation, des actions qui pourraient mettre en péril la sécurité des citoyens, et encore moins la dégradation de commerces ou de commerçants qui, eux aussi, sont comme nous, ils galèrent pour vivre. Alors peut-être d'autres s'en sortent plus facilement, mais avant de s'en sortir, ils ont aussi galéré. Et ça, faut l'entendre. Demain, on est tous amenés à pouvoir avoir un commerce, etc. Et comprenez que s'il y a quelqu'un qui vient dégrader votre vitrine, ben, vous l'aurez mauvaise. Moi, je suis moi-même commerçant, et il est hors de question que des gilets jaunes arrivent et me cassent ma vitrine. Donc, je vous demande vraiment de réfléchir à tout ça, de défiler dans la bonne humeur, dans la bonne entente, et en aucun cas d'aller sur de la dégradation. Et merci de m'avoir écouté. Écoutez, pardon. C'est la fatigue.